Bonjour à tous, c'est Benito Sportscard de retour dans une nouvelle vidéo avec aujourd'hui une ouverture de plusieurs packs de cartes Slam Deck. Donc Slam Deck, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de cartes essentiellement de joueurs de l'équipe de France ou de joueurs du championnat français, donc en basketball. Donc marque 100% française, et c'est aussi donc des sets qui se jouent, donc c'est des cartes aussi à jouer. Donc aussi bien à collectionner qu'à jouer. Et aujourd'hui, donc, on va ouvrir des packs. Nous avons plusieurs packs que voici à ouvrir ensemble. Donc un gros pack de recharge avec une grosse partie de cartes à jouer. Donc on les ouvrira. Et les petits packs, des boosters, voilà, de cartes, essentiellement des cartes à collectionner. Donc on va ouvrir tout ça ensemble, voir un petit peu ce qui s'y cache. Donc ces paquets sont disponibles sur le site de Slam Deck. Donc je vous rappelle, c'est 100% français. Donc à soutenir, n'hésitez pas à les soutenir et à aller découvrir ces cartes qui sont vraiment d'excellente qualité. Et on va découvrir ça ensemble ou redécouvrir pour ceux qui en ont déjà vu. J'en ai déjà ouvert sur la chaîne et j'en ai déjà acheté. Et là, on va ouvrir plusieurs paquets. Allez, c'est parti les amis, ouvrons ça ensemble. Premier paquet, donc l'équipe de France de basket. Alors on a une gold d'Evan Fournier. On va essayer de faire la pointe. Voilà, donc une MVP pour Evan Fournier. Faire très sympa. On a une Factor X. Donc l'équipe de France féminine avec Marine Johannes. Alors j'en aurai sûrement en double, hein, donc n'hésitez pas à aller sur le site internet benzitosportscards.fr pour voir les cartes disponibles à l'échange ou à la vente pour ceux qui préfèrent acheter. Et j'en aurai forcément en double puisque j'en ai déjà ouvert. Une Factor X donc de Mathias Lessor. Vraiment la finition de ces cartes, le côté brillant, un peu carton papier glacé. Vraiment, ces cartes sont d'excellente qualité. Une Cachemire légende. Jacques Cachemire. Donc, pour les anciens. Les anciennes gloires de l'équipe de France. Une autre carte de légende. Féminine, cette fois. Pauline Ekambi. Les clubs, palmarès, Coupe du Monde 2019 avec Andrew Albici. Là, on est sur les cartes de base. Axel Toupan, Mathias Lessor, et on arrive sur les cartes de jeu. Donc, arbitrage maison Factor X. Pour le jeu, je n'ai jamais joué encore, mais je sais pas s'il y a un lien avec les cartes basiques. Et voilà. À voir. On continue. Ouverture, deuxième pack. Avec MVP d'Evan Fournier. Donc, ça doit être un double, je crois. Non. Il y a plusieurs MVP. Tant mieux. Moi j'ai double, mieux c'est. Une petite de l'équipe de France féminine. Très sympa aussi ce genre de carte. Factorise de Mathias et de Marine, ça, ce sont des doubles. Frédéric Forté, ancienne gloire aussi de l'équipe de France. Celle-ci, c'est un double que j'ai également. Fidjakovski. Axel Toupane, Mathias Lessor, je les ai en double. Nando De Colo, celle-là, je ne l'ai pas. Et on a Bump et MVP en carte à jouer. On continue notre ouverture. Troisième paquet pour ces Slam Deck. Nous avons donc l'équipe de France masculine cette fois. Très belle photo.
Encore Mathias, décidément, j'ai pas de chance. Mathias et Marine. Toujours ensemble, c'est vraiment pas de chance. Sanziel, ça c'est un double également que j'avais déjà eu dans un autre paquet. Irène Guidotti, légende de l'équipe de France. Andrew Albici, Axel Toupan et le sort. Ce sont des doubles, décidément, j'ai tous les doubles. Donc là, vous pouvez les récupérer sur le site. Hein. Trad et salary cap pour le jeu. On continue. J'ai vraiment pas de chance, décidément, on a l'impression que tous les paquets étaient un peu identiques sur les bases. Du coup, ça va être dur de compléter mon set. Photo de l'équipe de France. Franck Ntilikina, je crois. C'est ça. Donc celle-ci, je ne l'ai pas. Factor X. Valerian Vuko Savjevic, donc en joueuse de l'équipe de France, que je n'ai pas non plus. Celle-ci non plus, je ne l'ai pas. Donc on est sur Andy Miem. De Gros. Pour les légendes. Odile Santagnello. Pour les légendes féminines. On a un paquet très féminin. Avec Marine Fautou, Sarah Sevaujon et Ornella Bancolé. Très féminin, Factor X et arbitrage maison pour les cartes à jouer. Dernier paquet, le plus gros. On va voir ça tout de suite. Alors on a une grosse partie de cartes à jouer, je crois, dans ce paquet. On commence avec la fameuse photo de l'équipe de France masculine, donc que j'ai en plusieurs exemplaires. Une Fournier MVP Gold, que j'ai eu tout à l'heure. Une Nando de Colo, tout à l'heure j'ai eu une autre couleur, j'ai pas eu la Gold. Mathias pour changer, décidément, celui-ci on le voit partout. Alors celle-ci je ne l'ai pas. Chazalon, légende. Valériane, on l'a eu tout à l'heure. Et une petite Rudy Gobert, ça c'est très très bien. Je ne l'avais pas. Carte à faire signer, hein, typiquement une petite signature couleur or, on va dire, un peu un stylo or. Ça peut bien rendre sur ce genre de carte. Hein, pour ceux qui aiment le TTM, n'hésitez pas à en profiter avec ces collections. Dorigo, Maxime, pour le rétro. Franck en base, Axel Toupane qu'on a déjà eu, Paul Lacombe en base également, Amat Mbaye que je n'avais pas, Olivia Epoupa que je n'avais pas non plus, Valériane que je n'avais pas en base et Marine que j'ai eu dû avoir tout à l'heure. Ensuite, on a les cartes à jouer avec des règles. Donc, le jeu Sandex. Donc là, on a les règles et on a les cartes qui vont avec. Donc, Magic Basketball, Switch, Spanish Tactic, MVP, Trade, Factor X, Circus Shot, Bump, Salary Cap, Arbitrage Maison, Défense de Zone et Oura Basket. Voilà, donc là il faudrait lire les règles, chose que je vais faire, puisque maintenant que j'ai pas mal de cartes de jeu, on va voir ce que je peux faire avec, et ça peut être sympa donc de jouer ce genre de jeu. Voilà, c'est l'avantage de ces paquets là, c'est que vous avez aussi bien de la carte à collectionner que de la carte à jouer. Voilà les amis, donc pour cette ouverture de pack donc de Slam Deck. Non, non. Quelques-unes, donc les Slam Deck, hein, cartes françaises, uniquement françaises sur l'équipe de France essentiellement, donc vous pouvez retrouver sur le site internet de Slam Deck. Je vous mettrai les liens en description. Voilà les amis, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos.
Beaucoup de vidéos sont sur le catalogue, donc n'hésitez pas à parcourir tout ça. Il y a beaucoup de choses à voir, aussi bien sur les cartes de sport que sur les trading cards. N'hésitez pas aussi à me suivre donc, sur les réseaux sociaux, comme je vous disais, donc Facebook, Instagram ou Twitter. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles ouvertures sur la chaîne. Salut, salut!